On va prendre un passage. Venez me les Bibles. Dans le livre de Jean. Et de Johannes. Chapitre 5. Chapitre 5. À partir du verset 1er. Ab vers 1. Tu as ta Bible en allemand, Dean? Oui, je vais traduire. Après ces choses, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait un lavoir appelé en hébreu Bethesda, ayant cinq portes. Es ist aber in Jérusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda hieß und der fünf Säulenhallen hat. Dans lesquels étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, attendant le mouvement de l'eau. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen, Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Car un ange descendait à un certain moment dans le lavoir et agitait l'eau. Et alors le premier qui descendait après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit la maladie dont il souffrait. Denn ein Engel stieg zur gewissen Zeit in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung das Wasser zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Or, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Es war aber ein Mann dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht war, hatte. Et Jésus, le voyant couché par terre et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht zu ihm, « Willst du gesund werden ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le lavoir quand l'eau est ajoutée, et pendant que j'y vais, un autre y descend avant moi. » Le Kranke antwortete ihm, « Herr, ich habe keinen Mensch, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. » Okay, on va baisser un peu Dean, là, on va baisser un peu le son là, Loïc. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Alors, voilà, donc aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Or, c'était un jour de sabbat. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat in jeden Tag. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est un jour de sabbat, il ne t'est pas permis de prendre ton lit. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der spricht zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Et ils lui demandèrent, « Qui est celui qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Und die fragten ihn, « Wer ist der zu dir sagt, nimm deine Liegematte und geh umher ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était éclipsé du milieu de la foule qui était en ce lieu-là. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pèche plus désormais, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, « Siehe, du bist gesund geworden, sündige ihn fort nicht mehr,
damit dir nicht etwas Schlimmes widerfährt. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, beaucoup de gens sont aujourd'hui comme cet homme malade. Also, viele Menschen sind so wie der kranke Mensch. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui. Es gibt viele Krankheiten heutzutage. Il y a des gens qui sont malades physiquement. Es gibt Leute, die sind physisch krank. Ils ont le cancer. Die haben Krebs, zum Beispiel. Le sida. AIDS. Hépatite. Hepatitis. Ils sont aveugles. Il y en a qui sont sourds. Also sind taub. En fait, il y a plusieurs types de maladies physiques qui frappent les hommes aujourd'hui. Es gibt viele verschiedene Arten von Krankheiten, die physisch sind. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont atteints de diverses sortes de cancers. Et la médecine condamne beaucoup de gens aujourd'hui. Und die Medizin, hält diese ganzen Leute sogar gefangen. Also die sagen, okay, es ist vorbei für sie. Il y a aussi des malades, des maladies, pardon, psychologiques. Gibt's auch psychische Krankheiten. Des gens qui, n'est-ce pas, sont soignés autrement que par des médicaments conventionnels. Des gens qui sont, n'est-ce pas, dérangés psychologiquement et qui vont jusqu'à être internés en psychiatrie parce qu'il n'y a pas forcément des médicaments pour les soigner. Es gibt Leute, die nicht nur durch Medikamente geheilt werden, aber es gibt Leute, die werden sogar in der Psychiatrie gebracht, damit die dort geheilt werden, sozusagen. Ceux qui sont atteints par des problèmes psychiatriques, certains parmi eux vont jusqu'à se suicider. Il y en a qui vont se suicider. Vous allez voir une jeune femme, elle est belle. Un jeune homme qui est beau. Mais psychologiquement, il est malade. Elle est malade. Parce que des gens aujourd'hui connaissent beaucoup de souffrances, vivent des chocs. Quelqu'un qui perd son père peut être atteint psychologiquement. Quelqu'un qui a perdu sa mère peut être touché psychologiquement. Il y a aussi des maladies spirituelles. Beaucoup souffrent. Et nous sommes dans une époque, comme vous le voyez vous-même en tant que jeune, où beaucoup de personnes se suicident. Wir sind in einer Zeit, wie wir gerade merken, wo viele Leute sich sogar selbst umbringen. Il y a pas longtemps, je lisais dans un journal un enfant de 8 ans, un Américain, qui s'est suicidé. 8 ans. Ich habe vor kurzem in der Zeitung gesehen, dass ein Amerikaner, ein 8-jähriger Selbstmord betrieben hat. 8 ans. 8 Jahre alt. C'est-à-dire, selon la Bible, il lui restait encore à peu près 62 ans. Also, laut der Bibel hatte der noch 62 Jahre zu leben. Il s'est pendu dans sa chambre. Aber er hat sich in seinem Zimmer erhängt. Pourquoi? Wieso? Parce qu'à l'école, Weil in der Schule, on se moquait de lui. Weil man sich über den in der Schule lustig gemacht hat. Voyez, 8 ans. Seht ihr, der war nur 8 Jahre alt. Il n'y a pas longtemps, une jeune fille de 12 ans s'est suicidée. Und es gibt auch einen 12-jährigen, der sich auch umgebracht hat. Les gens ont des problèmes. Die Menschen haben Probleme. D'autres vont fumer, se droguer. Andere werden sogar Drogen konsumieren. Pour se soulager. Um sich zu beruhigen. Beaucoup de jeunes comme vous sont dans la rébellion vis-à-vis de leurs parents. Nous sommes dans une génération des malades. Wir sind in einer Generation, wo nur Kranke sind. Alléluia. Et cet homme Und dieser Mann était malade depuis longtemps. Et il était parmi les malades. Er war unter den Kranken. Et on nous dit qu'un ange descendait du ciel de temps à autre pour secouer l'eau de ce lavoir, de cette piscine. Et le premier qui se jetait dedans était guéri. Et imaginez cette piscine. Au bord de laquelle il y a tous ces malades. Also diese ganze Kranken, zum Beispiel. Cette piscine est comme nos hôpitaux aujourd'hui.
dieses Wasser ist wie die Krankenhäuser von heutzutage. Il y a beaucoup de malades. Es gibt viele Kranken. Mais où est la solution? Qui a la solution? Qui peut wo ist die Lösung? Guérir Wer ces personnes? A die Lösung? Regardez le nombre de couples qui se brisent aujourd'hui. Guck mal, wie viele Scheidungen es gibt heutzutage. Le nombre de mariages qui sont cassés aujourd'hui. Wie viele Ehen zerbrochen sind heutzutage. Vous avez vu le nombre de jeunes femmes qui tombent enceintes et qui sont abandonnées par les hommes? Schau mal, wie viele junge Frauen schwanger werden und von den Männern verlassen werden. Regardez dans vos écoles le nombre de jeunes que vous connaissez, 12 ans, 11 ans, qui fument, d'autres qui revendent de la drogue. Il y a beaucoup de malades. Regardez dans les cités le nombre de gens qui sont malades. Regardez même dans nos églises le nombre de gens qui sont malades, des chrétiens. Je parlais avec une jeune fille tout à l'heure, dehors. Elle était assise dans son coin, elle était toute triste. D'abord, elle m'a appelé cette semaine. Elle me dit, j'aimerais bien venir, mais je ne peux pas parce que je suis malade. Je lui dis, mais pourquoi? Tous ses organes vitaux, les intestins, tout ça ne fonctionne pas. Alle ihre Organe funktionieren nicht mehr. Ses intestins sont morts. Also die inneren Dinge sind tot. Et du coup, elle sent mauvais. Elle dégage une odeur nauséabonde. Und plötzlich gibt sie einen komischen, also einen schrecklichen Duft, also einen Gestank ab. Elle est jeune. Sie ist jung. Elle est belle. Hübsch. Mais ses intestins sont morts. Aber in Innereien sind tot. Et ceux qui l'approchent la fuient parce qu'elle sent mauvais. Die Leute, die sich an ihr ernähren, die merken, dass sie nicht gut riecht, dass sie stinkt. Et tout à l'heure, elle était assise dehors, toute seule en son coin. Und vorhin saß sie draußen, ganz alleine in ihrer Ecke. Je suis parti la voir. Et je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ich habe sie gefragt, was ist los? Pourquoi tu es si triste? Pourquoi tu es triste? Warum bist du traurig? Elle me dit, mais c'est moi qui t'ai appelé cette semaine et j'ai un problème d'intestin. Und er hat gesagt, ich habe dich angerufen und ich habe mes organes, les reins, plus rien ne fonctionne. Et même les médecins ne peuvent plus rien faire pour elle. Und sogar die Ärzte können nichts für sie machen. Elle est jeune. Je ne pense même pas qu'elle a plus de 24 ans. Ich denke mal nicht, dass sie sogar älter als 24 Jahre alt ist. Vous vous rendez compte? Et elle est obligée de s'enfermer chez elle parce qu'elle est tout le temps rejetée à cause de l'odeur qu'elle dégage. Et il y a beaucoup de gens qui sont malades comme ça. Tu peux être physiquement en bonne santé alors que dans ton cœur, il y a une blessure qui est là. C'est pour cela que tu as ce caractère dur. C'est pour cela que tu parles mal à ton père, à ta mère. C'est pour cela que tu ne veux pas croire en Dieu. Parce que tu es révolté. Parce qu'il y a une blessure dans ton cœur, il y a une maladie. D'autres, ils sont tellement malades dans leur cœur qu'ils vont se donner aux femmes, des femmes vont se donner sexuellement aux hommes. Voyez, ces malades ici voulaient être guéris. Il voulait être guéri. Der Kranke wollte geheilt werden. Mais il fallait être plus rapide que les autres. Aber der musste schneller sein als die anderen. Parce qu'une seule personne était guérie à chaque fois. Une seule personne. Weil nur eine einzige Person immer geheilt wurde. Alléluia. Et vous savez, quand on tombe malade, quand on est malade, même les personnes les plus proches peuvent nous rejeter. Und ihr wisst, wenn wir krank sind, sogar deine nächsten Kollegen werden dich sogar verlassen. Et là, ce jour-là, Jésus va arriver là où il y avait ces malades. Et il pose la question à cet homme malade, veux-tu être guéri?
den Kranken, möchtest du geheilt werden? Halleluja! Et regardez la réponse de la personne malade. Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Et quand on est malade, quand on est en souffrance, on cherche la solution souvent auprès des hommes. Vous voyez? Je n'ai personne! Le Seigneur te pose la question, veux-tu être guéri? Man fragt ihn, möchtest du geheilt werden? Halleluja! C'est une question simple. Eine einfache Frage. Il aurait pu dire, oui Seigneur, je veux être guéri. Er hätte einfach antworten können, ja Herr, ich möchte geheilt werden. Mais la réaction c'était quoi? Je n'ai personne. Aber was war die Antwort? Tu n'as pas besoin d'un homme pour être guéri. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour être guéri. Du brauchst keinen Propheten, um geheilt zu werden. Alléluia. C'est simple. C'est einfach. Veux-tu te marier? Möchtest du heiraten? Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, je sais qu'il y a des gens qui demandent le mariage au Seigneur comme ça. Veux-tu avoir un enfant? Möchtest du ein Kind bekommen? Et vous savez, il y a des gens qui sont malades aussi à cause du péché. C'est la plus grande maladie. C'est la plus grande maladie qu'il y a. Le mensonge est une maladie. Die Lüge ist eine Krankheit. La haine est une maladie. Der Hass ist eine Krankheit. Le racisme est une maladie. Rassismus ist eine Krankheit. Alléluia. La timidité est une maladie. Götzendienerei ist eine Krankheit. Ah oui. La drogue est une maladie. Drogue ist eine Krankheit. La masturbation est une maladie. Selbstbefriedigung ist auch eine Krankheit. Mm-hmm. Là, je vois que on gratte un tout petit peu la tête là. Alléluia. Amen. Le péché est une maladie dangereuse. La pornographie est une maladie dangereuse. Die Pornographie ist eine gefährliche Krankheit. Le salaire du péché, c'est la mort. Der Gehalt der Sünde ist der Tod. Donc le péché paye. Also die Sünde wird bezahlt. Si tu pèches, wenn du sündigst, tu auras un salaire. Dann kriegst du einen Lohn oder Et ce salaire, c'est la mort. Das ist der Tod. S'habiller sexy, c'est une maladie. Die sexy ankleiden, das ist eine Krankheit. Alléluia. Bah oui. Ah ja. Ta poitrine, c'est pas pour les autres, c'est pour allaiter tes enfants. Deine Brust ist nicht, um das an Männer zu präsentieren, aber es ist, um deine Kinder zu ernähren. Alléluia! Ce n'est pas pour la montrer dehors! Amen ou pas amen? Non, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud! Couvre-toi! Bedeck dich, hüte dich! Il fait chaud, il fait chaud! Et ceux qui sont en Afrique et en Amérique latine là-bas, là, en Colombie, là, il fait plus chaud là-bas. Là. Ils sont couverts parfois. Là. Les vrais chrétiens. Quoique. Alléluia. Le vol est une maladie. Clown ist eine Krankheit. Mm-hmm. Gloire à Dieu. Les mini-jupes jusqu'ici chrétiennes, c'est une maladie. Dean. Oui. Les mini-jupes en allemand. Ah, die Mini-Röcke, das ist eine Krankheit. Mm-hmm. Dis à ta voisine, maladie. Comment on dit maladie en allemand? Pardon? Comment on dit malade? C'est une maladie en allemand. Maladie. Krankheit. Trancage.
Alléluia. Amen. Manquer du respect vis-à-vis de sa mère, c'est une maladie. Respectlosigkeit gegenüber den Eltern, das ist eine Krankheit. Bouder quand ta maman te parle, ou maladie. Wenn du stur bist, wenn deine Mutter spricht, das ist eine Krankheit. Alléluia. Manger tout le temps la nourriture, matin, papa, midi, papa, le soir, et tu gonfles, maladie. Abends immer mehr essen, das ist eine Krankheit. Alléluia. Il y en a, leur maladie, c'est la nourriture. Einige deren Krankheit ist, das ist die Nahrung. À minuit, dans la cuisine, en train de manger le yaourt. In der Küche ist er im Joghurt am Essen. 3 Uhr du matin, Yaourt. 3 Uhr morgens, Joghurt. À 5 Uhr, Chocolat. 5 Uhr morgens, Schokolade. Dis à ton voisin, maladie. Krankheit. Alléluia. Vous voulez que je parle? Qui aime la nourriture ici? Levez les mains. Qui aime le chocolat ici? Gloire à Dieu. Dormir avec la colère, c'est une maladie. Der Hass ist auch eine Krankheit. Qui a du mal à pardonner? Wer hat Schwierigkeiten oder wer fällt es schwer zu verzeihen? Moi, je ne pardonnerai jamais à cet homme. Alléluia. Qui réalise qu'il est malade? Wer realisiert, dass er krank ist? Gloire à Dieu. Der Herr sei gelobt. Nous allons vous proposer un traitement. Wir schlagen euch ihm etwas vor. Une cure à suivre. Eine Heilung vor. Veux-tu être guéri? Kannst du geheilt werden? Ne pas accepter ta taille, c'est une maladie. Wenn du deine Größe nicht annimmst, ich bin zu kurz, zu lang, das ist eine Krankheit. Oh, je ne suis pas assez grand. Maladie. Ich bin nicht groß genug. Bist krank. Tu es petit, bénis Dieu. Wenn du klein bist, dann segne den Herrn. Alléluia. Tu es chauve, bénis Dieu. Du hast eine Glatze, segne den Herrn. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, sauve-nous. Il y a beaucoup de malades. Il y a viele Krankheiten. Ils ont du mal à sortir de chez eux sans maquillage. C'est une maladie. Die Personen, die nicht rausgehen können, ohne sich zu schminken, das ist eine Krankheit. Tu vas acheter la baguette à côté, il faut absolument maquillage. Là, ta maladie. Ah. On acclame Jésus. Là, vous partez? Ah, vous êtes là, c'est bien. Parce que là, on fait un examen. On passe par le scanner, là, c'est bien, on en a besoin, là, c'est... Gloire à Dieu. On peut rappeler là-bas, là, parce que là, au moins, ça commence à devenir intéressant, l'attaque. Ça va coûter un peu plus cher, c'est pas grave, mais au moins, nos frères allemands, nos frères et sœurs vont pouvoir recevoir la parole. Qu'est-ce qui se passe? C'est un cousin? Ah ben, le cousin, il est gentil, le cousin, là? Il est gentil? Ah ben, quoi? C'est une créature du Seigneur? On va pas la tuer. T'inquiète pas aussi là ça. C'est gentil ça cousin. Voilà. On a l'autorité non? Ah. Un petit quelque chose comme ça vous commencez déjà à paniquer. Et quand vous allez voir un gros serpent là, Satan là, le démon là, vous allez faire quoi? Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va? Dean est revenu? Je suis revenu. Alléluia. Je disais quoi tout à l'heure là?
tu veux acheter une baguette à côté, il faut absolument mettre du rouge à lèvres, de tout ça, maquiller le faux teint là, tu sais, le faux teint. Tu n'es pas un... Il y a des chrétiennes qui ne peuvent pas sortir sans des chaussures à talons là, tu sais, elles prennent 10 cm, 14 cm, 30 cm, elles te dépassent. Maladie. Faire des yeux doux aux hommes, aux femmes. Une maladie, la séduction, c'est un démon. Alléluia. Donc il y a beaucoup de malades ici. Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis une chose. Vous pouvez jeûner. Vous pouvez prier. Si Jésus ne vous touche pas, vous ne pouvez pas être libéré de vos maladies là. Personne ne peut vous guérir. Vous le savez, hein? Si ce n'est que Jésus-Christ. Jésus arrive, il lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Jésus lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Rentre chez toi. Wow! Frères et sœurs, Jésus, il est trop fort. Jésus, il est beau. Il est plus beau que vos petits copains. On dit petit copain. En allemand, c'est ça, non? Petit copain. Kleiner Freund. Mm-hmm. Kleiner Freund, je ne sais pas quoi, là. Alléluia! Oh, c'est mon petit copain. Oh, mon Freund. On dit, t'es chrétienne? Oui. T'as un petit copain? Ça rougit. Quand ça rougit comme ça, ça veut dire que là, tu as touché là où ils avaient mal. Mais ça fait longtemps qu'on est ensemble. On va se marier. Alléluia! Nous ne sommes pas l'église catholique. Dean, yeah. Nous ne sommes pas l'église catholique. Nous ne sommes pas une secte. Ne vous inquiétez pas. Mais nous vous présentons Jésus. Jésus est beau. Jésus est excellent. Jésus est doux. Une femme qui rencontre Jésus ne va pas exposer sa poitrine. Non! Frère, sœur, je vous dis la vérité. Vous avez rencontré les messagers, mais vous n'avez pas rencontré Jésus. Jésus? Il dit, lève-toi. Toutes les maladies obéissent à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus? Alléluia! Qui veut le rencontrer personnellement là? Qui veut le voir dans sa chambre? Qui veut une relation directe? Une connexion directe. Oh, je prie qu'il te visite. Jésus m'a fait la cour. Jésus m'a dragué. Frère, jamais homme ne parle comme le Seigneur. Jésus? Il est mieux que ton pasteur. Lève-toi et marche. Le gars, il prend ça. Il s'est levé, il a pris son lit. Il a commencé à marcher, il est rentré chez lui. Mais avant de rentrer chez lui, il est allé dans le temple. Qui veut être libéré de la puissance du sexe? Du péché sexuel. Levez la main. Alléluia. Tu veux être libéré de ce péché-là? Sexuel? Alléluia. Viens. Ne soyez pas choqués. Si vous voyez quelqu'un commencer à trembler, ne craignez pas.
Angst. Si vous voyez quelqu'un qui commence à crier, ne soyez pas choqué. Ce n'est pas une secte. Amen. Lève tes mains. Aidez-la. Sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Sors d'elle. Sors d'elle. Voilà. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est fini. Ton règne est fini. Maintenant, au nom de Yeshua. Toi aussi. Viens. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va aller. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Seigneur, que ma soeur soit libérée. Lâche-la. Sors. Vous inquiétez pas. On va bien derrière là pour la. Sors! Il y a une sirène là. Qui d'autre veut te libérer de ça? Viens. Vous voyez des maladies là, ça va sortir là. Lâche-la. Au nom de Yeshua. Serpent là, au nom de Yeshua. Aidez-la. Soyez derrière elle. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Lâche-la. Sors. Voilà. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Jesus Christ. Ça va? Gloire à Dieu. Waouh. Viens. Il y a des maladies là. Seul Jésus peut vous libérer de ces choses-là. Au nom de Yeshua. Aidez-la. Lâche-la. Sors. Sors. Il y a un serpent là. Allez, quitte-la. Quitte-la. Quitte-la au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus. Sors comme ça. Voilà. Serpent là. Allez, sors d'elle. Sors au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Quitte cette jeune fille. Quitte-la. On va amener un panne là. Voilà. Sors d'elle au nom de Yeshua. Allez, sors. N'ayez pas honte là, vos serpents là, vos démons là, vos maladies là, ils vont vous quitter là au nom de Yeshua. Vos démons vont sortir de vos corps là. Parce que vos corps sont le temple que Dieu veut habiter au nom de Jésus de Nazareth. Il faut en profiter pour vous débarrasser de ces démons qui vous embêtent, qui vous poussent à séduire les hommes, à séduire les femmes. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Oh, ça sort là, ça sort. Quelqu'un ici veut abandonner la sorcellerie. C'est une maladie. C'est une maladie. On t'a initié à la sorcellerie, n'ayez pas honte. Je voudrais prier pour toi. Il y a une délivrance pour toi. Au nom de Yeshua, tu ne veux plus de cette sorcellerie-là. Le Seigneur veut te rendre totalement libre au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Jesus, lâche-la. Sors, au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, allez, remonte, sors. Au nom de Jésus de Nazareth, tu quittes ce corps-là. Allez, tu sors au nom de Yeshua, le Seigneur et Sauveur. Tu t'en vas, démon. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Allez, tu sors. Tu sors. Il y a des démons là, qui supplient là. Oh Seigneur, merci. Viens, viens. Ça, c'est la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et dès là, sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Yeshua. Allez, sors. Voilà. Quitte ce corps-là, démon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte ce corps-là. Voilà. Magnifique, Seigneur. Magnifique, Seigneur. Oh, alléluia. C'est réglé. C'est bon. C'est magnifique. Viens. Gloire à Dieu. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur libère, le Seigneur guérit, le Seigneur restaure. Au nom de Jésus de Nazareth, quitte-la. Quitte ce corps-là, au nom de Yeshua. Voilà, allez, sors. Sors d'elle. Oh Seigneur, merci. Quitte-la. Sors d'elle. Il y a un gros démon là. Sors d'elle. Sors. Il y a une grosse sirène des eaux. Voilà. Oh, ouais. Sors de là. Oh Jesus Christ. Oh Jesus. Mon frère Rodrigue, tu peux nous aider là? Sors d'elle. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ne craignez rien, c'est dans la Bible, tout ça là. Dieu veut se servir de toi. Pour nourrir les pauvres. En Amérique latine. Dieu veut servir de toi pour nourrir les pauvres, pour aider les orphelins, les veuves. Dieu veut te visiter, Dieu veut te parler. Il veut soigner ton cœur, guérir ton cœur. Oh, Jesus Christ. La puissance de Dieu est là. Le Seigneur libère son peuple au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci, mon Dieu. Hein, mon frère, continue à prier pour elle, s'il te plaît. Hein. La puissance du Seigneur est là, là. Avec ton épouse, là, tu peux nous aider, là. C'est possible, merci. Alléluia. Jesus, alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ton onction, Seigneur, mon Dieu. Merci, mon Dieu, aidez-la. Lâche-la. Lâche-la. Voilà. Sors d'elle. Voilà. Il y a un gros démon, là, qui s'en va, là. Voilà. Voilà, mamie Wata, là. Sors d'elle, démon. Quitte-la. Quitte-la, je dis au nom de Jésus de Nazareth. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Allez, allez, remonte et sors. Allez, remonte et sors. Allez, remonte et sors. Un gros serpent là. Allez, remonte et sors.
Allez, remonte et sors au nom de Jésus de Nazareth. Allez, remonte et sors. Oh, la puissance de Dieu. Non, il est venu nous aider avec elle. Là. Il y a un gros démon là, qui est là, un gros serpent, un gros boa. Regarde-moi ce gros boa là. Sors d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Quitte-la, démon. Les gens sont malades. Sors d'elle au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, Jesus Christ. Allez, quitte-la. Voilà, serpent là. Quitte-la, tu m'entends? Sors d'elle. Jesus. Qui croit que Jésus peut guérir là? Vous voyez la puissance de Dieu? Ça, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Tu veux être guéri? Jesus. Oh, Jesus Christ. Aidez-la. Jesus. Sors! Oh, Jesus. Quitte ce corps. Quitte ce ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus. Sors, tu m'entends? Si, tu vas partir. Sors d'elle. Allez, sors d'elle. Allez, sors d'elle. Allez, remonte et sors. Allez, remonte et sors. Allez, remonte et sors. Allez, remonte et sors. Remonte et sors au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Viens. Le Seigneur est là, le Seigneur guérit son peuple. Alléluia, gloire à Dieu. Aide-la, derrière elle. Jesus, sors. Voilà, allez, sors d'elle, démon. Allez, sors au nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes là? Le Seigneur est bon? Viens. Jesus. Lâche. Lâche-la, serpent. Voilà. Jesus. Oh, Jesus Christ. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Au niveau de son ventre, là, on va toucher son ventre, là, on va prier pour son ventre, là. Elle va vomir cette chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu l'as prié pour elle, mes soeurs, là, au nom de Jésus-Christ, là, il y a un esprit qui sort. Là, c'est un mari de nuit qui est là. Cette femme, on l'a mariée la nuit. Sors d'elle! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle n'est plus ta femme. Elle n'est plus ta femme. Acclame le Seigneur. Alléluia. Sors! Sors! Jesus. Jesus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. C'est réglé. Tu es baptisé? Par immersion? C'est bien. Quitte cette femme-là! Si. On l'a mariée la nuit, elle, là. Vous voyez? Sors d'elle! Sors d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Quitte ce corps, là, au nom de Jésus. Quitte ce corps. Wow! Oh, Jesus. Allez, sors d'elle. Allez, sors d'elle. Allez, sors d'elle. Allez, sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jesus. C'est magnifique. Wow. Un démon de mort, là. Qui va quitter ce corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu vas lâcher ce corps-là. Allez, sors de ce corps-là. Il y a un démon de mort qui l'a enroulé comme ça, encerclé là, tout ça là. Oh, Jesus Christ. Sors d'elle. Acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. Oh, Seigneur mon Dieu. Allez, sors d'elle. Au nom de Jésus. Waouh, Seigneur mon Dieu. Waouh, Saint-Esprit, merci. La puissance de Dieu à l'œuvre. Alléluia. Sors. Tu m'entends? Je brise ton cercueil là. Allez, tu sors de là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ. Jesus. Des maladies comme ça, des maladies spirituelles. C'est ton fils là? Ouais. Amène-le-moi là. Okay? Amène-moi cet enfant là. Amène-moi cet enfant, je prie pour lui. Tu veux être guéri de ta maladie là? Oh Seigneur mon Dieu. Vous pensez que le Seigneur peut la guérir là, mes amis là? Jésus a dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Alléluia. Jesus Christ. Oh, magnifique Saint-Esprit.
Jesus Christ. Seigneur, que cet enfant soit béni, Seigneur mon Dieu, Père, au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Nous brisons tout lien familial, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Jesus. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Waouh, Seigneur, merci. Merci. Ça va? Tu veux te guérir là? Bien. Jesus. Tu es baptisé, hein? Ok. Oh, vous pensez que Dieu peut la délivrer là, mes amis là? Wow. Il y a comme des écailles là que je vois là. Que le Seigneur est en train d'enlever là au nom de Yeshua. Alléluia. Le Seigneur est en train de la libérer de toutes ces écailles mystiques là. Alléluia. Gloire à Dieu là. Sors! Voilà. Sors. Sors. Voilà. 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 Elle te vomit. Tu m'entends? Elle te vomit. Elle te vomit. Tu remontes et tu sors de là. Allez, tu sors de son âme là. Tu sors de son âme. Voilà. Jesus. Tu sors de son âme comme ça là. Tu sors. Voilà. Voilà, il ne veut plus de toi. C'est fini. Jesus. Oh, Jesus. C'est magnifique ça. C'est magnifique. La puissance de Dieu. Wow. Wunderbar, die Macht Gottes. Wow, Seigneur, merci. Danke, Herr. C'est beau. Merci, c'est magnifique. Voyez, ça sort encore là. C'est magnifique. C'est wunderbar. Wow. Seigneur, merci. Il y a une jeune fille ici, elle n'a plus ses règles depuis quelques mois là. Que le Seigneur veut guérir là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Seigneur, merci. Voyez, le Seigneur la nettoie. Cette chose là qui commence à sortir là, qui voulait résister, la puissance de Dieu est venue briser cette chaîne là. Wow. Voilà. Tes règles, ça fait trois mois que t'as plus tes règles. C'est pas normal. Ça t'arrive de temps à autre. Parfois, ça peut faire plus de trois mois. Ah ben, le Seigneur guérit. Il libère, il sauve. Au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Prends ton lit et marche. Ça va, t'es pas choqué, hein? Non, ça va. T'es choqué, toi, là? Ça va? Tu es baptisé? Ouais. C'est bien. La colère. Ici, là, qui gère? Qui a la colère, c'est toi? La colère. Viens, viens, colère. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Pas normal, la colère, là. C'est pas normal. Ton cœur, Dieu le guérit au nom de Yeshua, alléluia. La colère, c'est ça? Tu as quel âge? 17 ans. Aidez-la. Lâche. Au nom de Jésus-Christ. Wow. Seigneur, merci. Viens. Seigneur, merci. Aidez-la. Wow. C'est réglé. Jesus Christ. Oh, une belle présence du Seigneur là ce soir. Là. Wow. Fini. Au nom de Yeshua. Fini. C'est bon pour toi. Seigneur, merci. Ça va? La peur, ici, quelqu'un, la peur te paralyse, te tétanise, la peur. Il n'y a pas de honte à avoir. On a dit Yeshua.
la timidité, la peur, tu as des capacités, mais pour bien, le Seigneur ne parle pas en vain. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci. Tu es baptisé? Bien. Bien, bien. Aidez-la. C'est bon. C'est réglé. C'est réglé, jeune fille. Dieu t'aime. Voilà. Ça va? Hein? Un peu. C'est réglé. Bon courage. Tu veux confesser? C'est bien, c'est bien. Tu veux confesser quoi? En fait, depuis toute petite, je suis dans la séduction, mais vraiment petite, depuis l'âge de 4 ans. Et toujours le regard sur les hommes et aussi le mensonge. Et vraiment, j'ai envie de me détacher de ça, en fait. J'ai envie que Dieu me donne, en fait, ce cœur qu'il aime. Et j'ai envie d'être folle amoureuse de lui et de ne plus voir ces hommes-là, en fait. Donc depuis petite, tu cherches à séduire les hommes. T'en as séduit beaucoup? Bah ouais, assez. Tu as quel âge? J'ai 22 ans. À 22 ans, depuis petite, elle séduit les hommes. Elle ne veut plus séduire les hommes. Ça, c'est la sirène des eaux, là. C'est l'esprit des eaux, l'esprit des séductions. C'est pour ça que je voyais les écailles, là. T'as l'impression que ta vie se résume à ça. J'ai envie de donner ma vie à Dieu, mais ça m'a faim. Jesus. Des songes, je rêve que voilà, je... Aidez-la derrière, là. Quelqu'un peut l'aider, là, derrière, encore, là. Oh, Jesus. Elle n'en peut plus, elle n'en peut plus. Mais Jésus peut quelque chose. Je veux donner ma vie à lui. Je veux plus. Jesus. Sors! Raus. Au nom de... In name Jesus. C'est comme si elle est consacrée à cet esprit-là. C'est fini. Jeune fille, Jésus te rend libre aujourd'hui. Junges Mädchen, fini. Jésus befreit dich heute. Oh, Jesus. Fini. C'est vorbei. Quelqu'un ici est lié à la pornographie. C'est une maladie. Viens. Dann komm. Dieu t'a vu. Er hat dich gesehen. Dieu t'a vu. C'est une maladie. Das ist eine Krankheit. Allez, on acclame le Seigneur, c'est lui. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Quand on vient devant sa présence, ben, il nous parle, il révèle les choses cachées parce qu'il veut nous arracher de l'enfer. Jesus Christ. Ah. Je voulais confesser la colère, la masturbation, parce que c'est ce que je fais le plus. Il y a la désobéissance envers ma mère, mais je voulais aussi me demander pardon parce que j'ai fait trop de bêtises. Je sais très bien que ça lui fait mal. Et moi aussi, ça me fait mal de l'avoir mal, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que j'aime trop faire ça, en fait. Et voilà, il y a ça. Il confesse la masturbation, la colère, et il fait souffrir sa mère, et il ne veut plus de ça. Lève ta main. Démon, tu vas quitter ce corps. Tu vas quitter ce jeune homme. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Allez, tu sors, voilà. Sors de là, au nom de Jésus de Nazareth. Il y a un démon terrible qui est là. Au nom de Yeshua, démon guerrier. Tu vas t'en aller maintenant. Tu vas t'en aller maintenant. Tu sors de là. Allez, tu sors de là. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est fini. Voilà. Tu continues à prier. Tu vas continuer. Hein? Il y a un démon de colère. Là. Ça va, ça remonte là. C'est quelque chose qui vient de... C'est un héritage. Jesus. Quelqu'un ici. On t'a donné... Dans le passé, un gris-gris familial. On t'a donné quelque chose au niveau de la famille. Là. Un gris-gris.
À cause de ça, toute ta vie est bloquée. Deswegen ist deine ganze klappt dein ganzes Leben nicht mehr. Es ist blockiert. N'aie pas honte, viens. Steh auf und komm. On doit briser ça. Pour te libérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In name Jesus Christus. Seigneur, merci pour ta grâce. Danke, Herr, für deine Gnade. Merci pour ta puissance. Für deine Macht. Dieu veut te rendre libre. Der Herr möchte dich befreien. Ça va? Raconter deux rêves que j'ai eus il n'y a pas longtemps. C'est personnel? On va voir ça à la fin, comme c'est des rêves. J'ai beaucoup de... Je ne sais pas, toujours j'oublie des choses. Chez moi, on me donne des choses à faire, mais j'oublie toujours, je ne sais pas pourquoi. Et ça me fait... ma mère, elle est toujours en colère avec moi. Et mon père aussi, mon beau-père aussi. Tu as quel âge? 14 ans. 14 ans. Waouh. Elle oublie tout et ses parents ben, sont souvent en colère contre elle parce que, voilà, en fait, elle est malade spirituellement. 14 ans. Jesus. Oh Seigneur Jésus. Nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Jesus. Ça va? C'est réglé. Amen. C'est réglé. Alléluia. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. C'est réglé. Alléluia. Seigneur, merci. Oh, Jesus. Alléluia. Oh, Jesus. Oh, Seigneur, merci. Quelqu'un ici, je dis bien, on t'a donné quelque chose à nouveau à la famille. Comme une protection, là. Tout ça, là. Il n'y a pas de honte à avoir, là. Le Seigneur veut te libérer de ça. C'est... Voilà. On acclame le Seigneur pour la sœur. Lève tes mains. Aidez-la. Au nom de Yeshua. Au niveau de son nombril, là, quelque chose là. Comme un lien qui est attaché là. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Jesus. Sors. Voilà. Ça remonte là. Ça remonte. Jesus. Tu vomis tout ça là. Ça sort au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Merci, Herr. Quelqu'un d'autre, tu sais, pendant que le Seigneur libère cette sœur, quelqu'un d'autre, tu sais, la bagarre. Le Seigneur veut te rendre libre. Au nom de Jésus de Nazareth, viens. Il y a une jeune fille, là, tout ça, là, ici, la bagarre. Il n'y a pas de honte à voir. On t'a donné cet esprit-là qui t'amène à la colère, la bagarre, tout ça, là. Et les filles, tout ça, là, les filles à l'école savent, te connaissent également. Au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur veut te rendre libre. Au nom de Jésus de Nazareth, ça sort. Tu es baptisé? Ouais. Ouais, par immersion, hein? Pas encore. C'est ton temps, ce que Dieu me dit de te dire. Parce qu'il veut se servir de toi puissamment. Je t'assure. La bagarre. Alléluia. Gloire à Dieu. La fille là qui est là. La fille là qui est. Voilà. Et une fille là, tout ça là, la bagarre là, tout ça là, la colère là. Ça... Dieu veut te rendre libre. Il n'y a pas de honte à avoir. Il veut te libérer. Le Seigneur est là pour nous guérir. Il a dit. Je veux guérir. Lève vos mains. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, c'est bien pour ta sincérité, là, au nom de Jésus de Nazareth. Je commande aux esprits guerriers. Je commande aux esprits de colère qui vous attaquent, qui vous combattent, qui vous possèdent. Je donne l'ordre à ces esprits de s'en aller, de vous quitter, au nom de Yeshua. De ne plus vous... vous posséder, c'est fini, au nom de Yeshua. Allez, tu sors, au nom. Sors, guerrier, sors, au nom de Jésus. Allez, sortez, au nom de Jésus de Nazareth. Sortez de là, Jésus. Alléluia, Seigneur, merci. Oh, alléluia, c'est fini là. La colère là, c'est fini, c'est réglé au nom de Jésus de Nazareth. Waouh. Tu vois, ça vomit toutes ces choses là, ça sort. Oh, Seigneur. Quelqu'un a un problème de sang, un problème sanguin. Seigneur, merci pour ce jeune homme. Qu'il soit libéré, démon, sors de là. Quitte ce corps là, quitte ce corps, je dis au nom de Yeshua, voilà, sors de là, sors de là, sors de là. Il y a des liens familiaux qui sont là, il y a des liens familiaux là. On veut le détruire par les femmes. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas t'en aller, tu m'entends? Tu vas t'en aller, toi, esprit qui est là, là, au nom de Yeshua. Oh, Jesus. Quelqu'un a un problème de sang, au nom de Yeshua. Alléluia, le Seigneur veut purifier ton sang là, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, merci.
Seigneur, merci pour ta grâce. Ton sang, là, Dieu veut guérir, là, tout ça, là, ton sang, les globules, tout ça, là, il veut apporter la guérison, là, tout ça, là, cette maladie dans le sang, là, qui te ronge, là, qui te... Voilà. Seigneur, merci. Tu auras des enfants normalement. Voilà le mot que Dieu me donne pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. C'est bon, c'est réglé. Oh Seigneur, il n'y a personne, pas pour au sang. Tu as des douleurs là, tout ça, là, au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauvé, des douleurs parfois physiques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur veut guérir ton sang là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est bon. Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Ça va?